Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui, on va sortir pour la première fois les bébés d'Arantia dehors et on va faire aussi la petite échographie de test pour savoir si c'est moi qui vois des bidons de femelles enceintes partout ou bien si vraiment c'était un Kinder. En plus, elle en a la couleur. Donc, au moment où je parle, je n'ai pas la réponse. Donc, on va découvrir ça ensemble. Les bébés de Arantia, les trois petits rubis, oui c'est toi Arantia. Ils sont contents. Et ils ont l'air d'être très contents. Utopie, elle leur lâche la tronche. Hein. Alors Utopie est en chaleur, Hermione est en chaleur, Rouka est en chaleur, Scarlett est en chaleur, Fanny est en chaleur, Nala est en chaleur, Blue est en chaleur. Voilà. Donc, en sachant que Nala va pas faire des bébés, Blue non plus, Tiffany non plus, mais Scarlett, oui. Rouka. Oui. Et Hermione, oui. Voilà. Et Monkey. C'est bon, j'ai dit tout le monde. Donc on attend les chaleurs de Uromance, Huguette, Tacha, Twix, Oupette, Compo. Bien sûr, ça va se préparer quand moi je vais pas être là. Mais on a un pipi dehors là où je rêve. Ah les petits cœurs. Bébés qui sont beaux. Alors oui, on a toujours nos gros bébés. Hein. On a Vaina, on a Ruby, on a, je ne sais pas, faut qu'il lève sa tête. Je dirais Vanifraise, mais je ne suis pas sûre. C'est Vanifraise. Viviane, hein, bien sûr, voilà, Viviane. Qui a trouvé et sa famille. Et Valou qui mange son truc. Mon petit bébé. Doucement, toi, avec le pio. Et Arantia qui chasse toujours les papillons. Ouais, mais moi, je dois. J'ai pas compris. Oh, ma Viviane. Petite bébé, ça. Et les excités du bulbe, là. T'es belle. Ben oui. Arrête de manger. On mange. Bon, bah, et c'est cool, ça, quand même. Hein. Regarde-les. Comme s'ils avaient toujours été dehors. Les petits loulous. Là, on a Vénus, ici. Et là, c'est les deux autres petits loulous disponibles. Le mâle, là, et la femelle, là. Le mâle, là, il a une tête, regardez. Attends. Oui, Arantia, c'était bébé. Il a une tête de nounours. Regardez. Avec... Non, mais... Oh, je peux pas vous montrer. Regardez. Oui, mais je vous aime. Je vous... Tous... Tous, je vous aime. Vous êtes tous flous, là. Voilà, ils sont un peu plus flous. Les filles sont en chaleur et elles n'en peuvent plus. Elles se grimpent les unes des autres. Ah, oui, c'est grimpé à trois. Oui, c'était rigolo, là. On avait... C'était Nala. Blue. Nala. Blue. Non, c'était Nala. Rouka. Rouka. Et Blue. Ou c'est l'inverse. Ah, Blue, elle en a marre. Ah non. Ah, il va y avoir les trois. Ah non. Ah, Blue, elle en a marre. Non. Elle... Tu le sais pas, toi, Utopie. Non. Tu es trop petite pour là, mon Jésus. Oh non. Non, je sais, elle va faire avec qui? Elle va faire avec Pimpo. Pimpo. Elle peut pas, elle est trop petite. Ah bah, elle est obligée. Ah ouais, là, elle est trop bébé, mais... Non, je vais appeler ton monsieur. Ça va? Bon? Elle est belle? Elle est belle?
petite qui est belle. Elle est où la plus belle? Il y a des Tiffany. La beauté. Où la beauté? Regarde, elle prend. Maman, j'avance, il y a pour ta carte. Voici la beauté incarnée. Coucou. Elle est belle. T'es magnifique. T'es parfaite. Attends. Je suis derrière la vitre. Eden regarde la télé, il me voit pas. Je pense que c'est l'autre, le petit mâle, qui est disponible, qui l'a vers lui. Tu vas nous chercher Tess ? Je vais chercher la bête. Va chercher la bête. Perle est partie chercher la bête aussi. Le petit Wally qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Oh, je t'ai coupé, je filmais pas au début. Elle disait, voici le chien en question. Montre-nous ton bidon. Regardez-moi ces petites mamelles. Ça n'a pas l'air de la stresser. Non. La trouvons-nous grossie? Un petit peu. Moi, je trouve moins. Au début, j'étais vraiment sûre qu'elle était gestante. À aujourd'hui, j'ai plus de doutes. Pourquoi vous êtes floue, mesdemoiselles? Ah, voilà. Voilà. Mais je ne mettrai pas ma main à couper non plus, quoi. Moi, j'ai un petit doute quand même. T'as un petit doute? Ouais. Je crois que Perle, elle est embêtée. Tu veux un coup de main? Oh là, il arrive. La grosse bête arrive. Alors, la grosse bête, je sais pas si c'est Perle ou Wally. Hein. Allez, on va le brancher. C'est parti. Allez, la petite lingette microfil pour nettoyer. Je sais plus comment on allume. C'est Perle qui le fait d'habitude, je sais plus faire, ça y est. Le bruit horrible. La petite sonde. Alors, je ne l'ai pas tendue parce qu'elle n'a point de poils en dessous pour le moment. Allez, c'est parti. Allez, installez-vous, mademoiselle. Voilà. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas du tout ce que je dois chercher. Est-ce que je dois chercher des ampoules? Est-ce que je dois chercher des chiots construits? Je ne sais pas ce que je dois chercher. Ça c'est un chiot. Où? Là? Ouais. Les petits de sucrète, ils n'arrêtent pas de crier. Ils sont enfermés, les pauvres, il fait chaud dehors. Alors, reprenons. Tu dis si tu veux que je me pose. On se débat, regarde, je te fais des poupouilles. Elle est amadou. On l'a amadou. Alors, on est d'accord que là, ça fait une ampoule là-haut. Oui. Là, là le truc. Attends, tiens ça, je vais la. Je vais la calmer. Oh bah tiens, vas-y, Perle. C'est comment? Bon, bah, je ne sais pas ce que j'ai vu. Fallait faire l'intérieur. Ça, c'est une poche, ça. Le truc est là? Bah oui. On a vu le cuir, c'est énorme. Faudrait le faire quand même. Alors en haut, là, on voit un crâne. Par là, là? Ou est-ce que c'est un organe? Ici. En fait, comme je ne sais pas à quel stade on est,
Là, ça fait vraiment la forme d'un chiot en haut. Permets ton doigt, je vais expliquer. En haut, là, le crâne. Là, tout qui descend la colonne vertébrale. Et ça, ce serait son abdomen. Mais ça se trouve, c'est ses organes à thèse. Vu que je ne sais pas à quel stade elle pourrait en être. Parce que là, un chiot formé comme ça, il est prêt à naître. Hein. On n'a pas pour longtemps. Et elle n'a pas le ventre d'une femelle qui est prêt à naître. Et là, ce que je vois ici, là, ça fait vraiment une poche, comme si c'était au tout début de la gestation. Et une ampoule dans laquelle ben, on ne voit pas encore bien le chiot, mais ça peut être aussi une vessie. En fait, si j'aurais eu plusieurs comme ça, j'aurais dit qu'elle est gestante, mais j'en vois qu'un. Ou alors, il n'y a qu'un chiot. Ou alors, ce que je vois là, là, c'est un chiot. Mais qui est prêt à sortir. Le boucan est fou, oui. Elle s'endort. Une ici, mais il n'y a rien dedans et ça ne fait pas un cercle. Et une... Ah là, on voit bien là. Est-ce que ça bouge dedans? Père, tu fais bouger le truc. Oui, ça bouge. Ouais, ça là, bouge ça un peu. Là, ça bouge un petit peu. Non, pas là, le dans le truc noir. Non. Ouais, ça bouge un peu. Non, le truc noir, pas noir, père. Oui. Bon, je pense que ça, c'est un chiot. Hein. Oui. Je pense que ça, c'est un chiot avec la poche et le chiot. Ça, c'est les os, là, les trucs comme ça. Donc, n'étant pas experte. Et ça, c'est quoi là? Alors, c'est pas des os ça? N'étant pas experte et ne sachant pas trop ce que je dois chercher, eh bien, ça ne nous avance pas. Je dirais peut-être, à confirmer. Ce qu'on va faire, c'est que d'ici une semaine, on refera une échographie. Et on ne va pas aller chez le vétérinaire? Si, mais je vais retourner chez le vétérinaire dans pas longtemps, donc je l'emmènerai à ce moment-là si j'ai toujours un doute. De toute façon, là, elle risque rien. Hein. Elle n'est pas prête d'accoucher. Regarde, elle n'a pas de grosse tétine, rien du tout. Ouais. Bon, allez, on arrête. Je veux bien. Le petit truc microfibre. Bravo, mademoiselle. Madame. On est quel âge? Elle a presque 2 ans. Je peux remettre là-dedans ou pas? Attends, je vais nettoyer. Bon, bah, à la question, est-elle gestante? Je n'ai pas de réponse, à part un, peut-être. Je ne pense pas qu'elle soit gestante d'un chiot gros, comme ce que j'ai vu sur le haut, en fait. Parce qu'elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas développée, elle n'a pas de tétine, elle n'a pas beaucoup de ventre. Donc, si elle est gestante, c'est plutôt début de gestation. Donc, ça correspondrait plutôt aux 2 ampoules que j'ai vues. Mais les 2 ampoules étaient plutôt à un endroit qui me semble un peu trop bas par rapport à cette période. Dans tous les cas, c'est que si elle est gestante, elle n'est pas prête d'accoucher. Donc, elle peut... Enfin, voilà, ça va pas être pour tout de suite. Ça va être à peu près dans 1 mois, si c'est le cas. Donc, on est bon en termes de timing. Et donc, ce que je ferai, c'est que d'ici une petite semaine, je referai une échographie pour confirmer ou infirmer. J'ai quand même de très gros doutes, même si à aujourd'hui, je n'ai pas les compétences pour m'assurer que ce soit le cas. Pourquoi je ne vais pas chez le vétérinaire? Parce que c'est l'éternelle question à chaque fois. Le vétérinaire, il est à 45-50 minutes de chez moi, aller puis retour. Si elle est vraiment gestante, j'ai pas vraiment envie de lui imposer ça en sachant qu'elle a déjà fait le trajet pour venir à la maison, puis le trajet pour aller à la séance de confirmation. Donc, on va peut-être pas trop abuser sur le trajet en voiture. Est-ce que c'est très important pour moi de savoir si elle est gestante ou pas? Non, pas vraiment, parce que elle est nourrie aux croquettes qu'il faut si jamais elle est gestante, et de toute façon, je la surveille comme si elle l'était. Donc voilà, c'est pas un drame si elle est gestante, en tout cas d'un point de vue santé, c'est pas un drame si elle est gestante, on est OK, et si elle est pas gestante, c'est encore mieux. Si elle est gestante, là-bas, ils avaient qu'un seul mâle et c'était un autre chihuahua qui était de couleur chocolat. Donc, ça ferait quand même des chichis de pure race, mais qui ne seraient pas inscrits au LOF.
C'est pas ce que je préfère, hein, mais ma foi, bah, si elle est comme ça, on va l'assumer bah, comme elle est, quoi, tout simplement. Bon, je suis désolée, hein, vous savez qu'au niveau de l'échographe, la plupart du temps, je me suis pas trompée pour l'instant sur le nombre de chiots. Mes prédictions sont plutôt bonnes. Mais là, bah, j'ai vraiment un gros doute parce que je ne sais pas quoi chercher. Mes fifilles, je sais à quel moment elles ont été saillies, à quel moment elles ont été en chaleur. Donc, quand je mets l'échographe, je sais à quoi m'attendre. Est-ce que je cherche un crâne? Est-ce que je cherche une ampoule? Qu'est-ce que je cherche? Là, je ne sais pas ce que je cherche. Donc, les trucs qui ressemblent à des crânes, je me dis, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des boyaux, d'autres choses? Ou le truc qui ressemble à une ampoule, je me dis, est-ce que c'est pas la vessie? La vessie, je pense pas que ce soit ça parce que c'est plus haut et c'est plus gros. Donc, ça ressemblerait vraiment à une ampoule. Mais ça veut dire qu'elle serait vraiment au début de sa gestation. Elle serait genre à 20 jours, 15-20 jours, quoi, un truc comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas le feu, comme on dit, il n'y a pas le feu. Voilà. Bon, désolée, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, quand même. Un petit coup, quand même, les petits bébés de Sydney. Donc, ça se passe très bien. Ils vont très bien, elles se débrouillent très bien, tout va très bien. Sinon, une petite diarrhée. J'avoue que ça commence un petit peu à m'inquiéter. Mais souvent après la mise bas. Donc, je lui laisse encore demain. Et si demain, ça va pas, veto. Donc, la petite noire et feu qui se prend un petit coup de nettoyage. Un petit bain. Là, on a la petite femelle. Et voilà, la queue du petit mâle. Quel est le petit bout de la queue blanche? Alors, est-ce que je ne me suis pas trompée? Non, je ne me suis pas trompée. Le petit mâle, avec effectivement le petit bout de la queue blanche. Et la petite femelle qui a beaucoup moins de blanc. Ouh, brûlé, brûlé. Voilà, tout va bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas le petit commentaire qui va bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. J'y tiens, ça nous fait plaisir, ça nous encourage, ça nous montre que notre travail vous plaît et c'est trop agréable, tout simplement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Allez, des bisous. Mouah.